Nous sommes bien arrivés. Il fait toujours aussi beau. Ouais. Il y a du monde. Ouais. Et on est garé. Non, c'est trop loin. Et puis on va bien s'amuser. Des bisous. Living life every day. All I need are some better days. On va faire web. On va lancer des toiles d'araignée. Et qu'est-ce qui va gagner encore? Oh, c'est 3 mois, j'ai mal au bras. Ah, on va voir. Si mamie, elle va encore péter le score. Rendez-vous à la sortie. Et voici notre chef de projet, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie. Comme le vibranium du Wakanda, ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pilf et Spartek. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speedrobots, par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout ça. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Slinger. Grâce à son processeur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Oui, j'ai remarqué ça, Jérine, et je te serai reconnaissant de lancer immédiatement les toiles. Claire, il y a un petit problème, moi. Enfin, si vous voulez lancer une toile, c'est jamais comme bonjour. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez, et le tour est c'est cool. Peter, si Spider-Man continue de se répliquer et déborde tout ce qu'il trouve sur leur passage. Ils ont l'air bloqués en mode contour réplication. Oh, ok. Je conteste Spider-Man. Je vais appeler Spider-Man à la rescousse parce que je crois qu'il est dans les parages. Ok, au revoir. Spider-Man ? C'est pas des courses, qu'est-ce qui est gagné ? C'est moi, t'es pas mamie brute, non. C'est moi, avec le plus gros score de tous les temps. Même mamie, je crois, elle a même pas fait 200 et quelque chose. Je sais peut-être. Non, mais les autres. Ah, aujourd'hui, non. Ah, si, les autres. Bah voilà, j'ai gagné. Et moi, deuxième. Et mamie, troisième. On a mangé quoi? Du poisson pané et du fish and frites. Du fish and frites. Oui, la vie avait des frites. Et c'était bon le fish and frites. Oui. Aller se prendre un petit café, s'inscrire au petit train de la mine, exactement, et ensuite on ira digérer dans Phantom Manor. Votre attitude est tout à fait inacceptable, jeune Péronel. Je disais donc, avant d'être furieusement interrompu, que nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre humble demeure. Rappelez-vous, le banquet était servi à 7 heures précises et nous aimons la ponctualité chez nos invités. Remember, the banquet will be deserved at 7 p.m. precisely and we love the punctuality. I hate kids. Sur la fin de cette première journée, bah, déjà, on te voit pas, mais on te voit tout le temps, on ne voit que toi.
haut, mais on ne voyait pas. Bon, vas-y. Et voilà, il fait encore très chaud, encore très beau, mais on y va. Bisous, bisous. Ici pour brancher la voiture, nous voici arrivés pour manger au restaurant du Cheyenne. Comme ça. Ça sent bon. Oui, bon, ça c'est les desserts, on va y aller après. Déjà, je vais aller me servir du wok que j'ai préparé. Alors qu'est-ce qu'on a? On a pris un peu de tout. La petite salade de pommes de Tex-Mex, pommes de terre coulées, bah, du chorizo. Salade de pommes de terre, les rôties sont peut-être. Ok. Du gazpacho, qui lui il est bien frais. Comme il fait 45 degrés, j'ai pris de la soupe de potiron un petit peu. Saumon fumé, des haricots rouges, ça je ne sais même pas ce que c'est. Ça c'est de la viande, c'est un pain de viande, dedans il y a du chorizo. Ah ok, donc on va, voilà, c'est l'entrée, on va goûter ça. Bon appétit. Merci aussi. Bon appétit. Bon, on a mangé l'entrée tout à l'heure, on a déjà mangé le plat principal. Là on va manger le fromage. Il est trop mignon. Encore deux têtes de Mickey. Tranquille. Il n'a pas envie de manger. Voilà, le fromage de mamie aussi, et moi. Nous avons passé la nuit à l'hôtel Formule 1 de la ville de Collégiens. Ça se trouve à une quinzaine de minutes de Disneyland Paris. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, les douches sont sur le palier dans cet hôtel. Il y a quelques chambres avec des douches privatives, mais faites bien attention à la réservation parce que c'est pas le cas pour toutes. Donc on a payé un peu moins de 70 euros pour 3 personnes, 2 adultes et une enfant de 11 ans, petit déjeuner inclus. Je ne pourrais pas vous montrer le petit déjeuner puisque ma fille était malade au réveil et du coup on n'en a pas vraiment profiter. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que c'est un petit déjeuner qui est très simple. En gros, vous trouverez du pain, de la brioche, du pain de mie, des jus de fruits, des boissons chaudes et c'est à peu près tout. Comme on a réservé un peu à la dernière minute, il ne restait que ce type de chambre pour 3 personnes. Donc c'est ce qu'ils appellent une chambre de break pour 3 voyageurs maximum. Ce sont donc 3 lits superposés et dans le fond de la chambre, on peut voir en fait un coin où on peut se faire une petite toilette avec un miroir et un lavabo. Les chambres ne sont pas climatisées, il vaut mieux dormir avec la fenêtre ouverte s'il fait chaud. Sinon globalement, on a bien dormi, l'isolation phonique est assez médiocre, hein. On entend tout ce qui se passe dans le couloir. Mais bon, pour une nuit, ça a fait l'affaire. Si vous avez un petit budget ou si vraiment il ne reste plus que ça, ça peut le faire. Voilà, je vous ai tout dit et on se retrouve tout de suite pour la deuxième journée au parc. Hey, coucou. Coucou. Et mamie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs cette méthode. Encore du monde au City Hall. Hein, papa, papa. Bon, ben nous voilà dans le parc. On va voir où est-ce qu'on va aller se poser pour manger un petit quelque chose. C'est parti. Des pains. Pour aller manger un petit quelque chose. Ben, du coup, on s'est posé. Tout le monde va manger. Un petit burger salade. Voilà, on est au Cowboy Cocao. J'adore ici, c'est joli, ça sent bon. Mmh.
Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Elle est magnifique. Oui, hein. Elle est belle, hein. Et mon collier aussi. Ah, j'avais pas vu. Ah oui, c'est parce qu'elle a pas mis, sinon je sais pas combien de t-shirts pochettes à la maison. Et aujourd'hui, elle est allée. On y va? On y va, on dit au revoir. On dit au revoir à Mickey. Je veux pas partir. Je peux pas. Ah mince, ça marche pas. Ah moi non plus, ça m'attire. Au revoir, maman. Mais c'est pas par là? La sortie, c'est par là? Hop, sous l'arche, là, par là. Vous partez pas du bon côté? Ah bon? Non, c'est parce qu'on veut pas y aller. On veut pas dire au revoir à Mickey. Et voilà. Ce dernier week-end chez Mickey s'achève. Et en fait non, ce ne sera pas la dernière, parce qu'en sortant de Disney, on a fait un petit tour au Disney Village pour acheter un cadeau d'anniversaire. Le cadeau que je vous mets ici en photo. Et en fait ce cadeau avait un défaut, du coup voilà la plus belle excuse que nous pouvions avoir pour revenir à Disneyland Paris. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle et cette fois-ci vraiment dernière vidéo à Disneyland Paris.